Registre carrément au sort de l'armée pour entrer dans le sport avec Serhou Guirassy qui plane sur le championnat allemand à échoue. Oui, et c'est 13 buts en 7 matchs dans le triplé, dans 2 triplés. Donc ce week-end-là, Serhou Guirassy s'est illustré en marquant contre Wolverhampton. Trois buts contre un but, voilà. Il est né le 12 mars, pour ceux qui ne le savent pas, 1996. Il est l'un des attaquants les plus en vogue de l'Europe. Et ses prouesses font qu'aujourd'hui, son club Stuttgart est l'actuel leader de la Bundesliga grâce à son numéro 9. Bah, bravo quand même à Serhou Guirassy. On espère que ça va durer longtemps. Pascal, vous imaginez en 7 matchs, le gars, il arrive en tout cas à réaliser 13 buts. C'est un record. Hein. C'est un record. Même et si ça ne dure pas longtemps, ça reste un record. Le record, il est plaqué. En tout cas, la dernière fois, je me rappelle, dans l'Open TV, il était à 10 buts. Il était à 7 justement aujourd'hui. Et il est allé jusqu'à 13. C'est pour vous dire qu'il peut aller plus loin que ça. Ah. Et il a une passe décisive. Et jusque là, le monsieur n'a pas de carton jaune ni de carton rouge. Donc, il est prudent dans tout ce qu'il fait. Je pense qu'il a une vision et j'aimerais bien qu'il continue là-dessus. Mais aujourd'hui, moi, je veux appeler aussi les autres confrères guinéens qui jouent à l'international de prendre l'exemple sur Serhou Guirassy. Et peut-être, pourquoi ne pas beaucoup plus l'imposer parmi nos 11. Mais je pense que lui-même, il est en train de s'imposer naturellement et que son imposition va se faire avec son talent. Naturellement. Hein, Si c'était Kanté qui était l'attaquant attitré du Chili, aujourd'hui Serhou s'est positionné comme ou Bayo par exemple, parce que c'était Bayo et Kanté, mais aujourd'hui Serhou prend de plus en plus de place puisqu'il est l'un des meilleurs attaquants du monde aujourd'hui, rien que autour de ces stats-là qu'il montre. Et longtemps, la Guinée n'avait pas connu un joueur comme ça. On se rappelle Titi Camara depuis Liverpool. Ça fait plaisir quand même à tous les compatriotes et on voit des partages sur les réseaux sociaux, on voit tout le monde encourager le travail du garçon. C'est très plaisant de voir qu'à la Coupe d'Afrique, on pourra compter sur lui. Oui, on peut compter sur lui à la Coupe d'Afrique, mais est-ce qu'il a l'effectif qu'il faut pour ça? Parce que Stuttgart, c'est vrai, ce n'est pas une équipe top sommet, mais il est en train de faire du bon boulot parce qu'il a des coéquipiers qui sont autour de lui, qui produisent un bon jeu. Et il y a un entraîneur aussi qui alimente le jeu. Vous avez beau avoir un Serhou Guirassy, s'il n'est pas dans une équipe où on produit du bon football, il sera un piètre attaquant. C'est comme Messi à Paris, quoi. Justement, il faut qu'il y ait des gens autour de lui qui permettent vraiment qu'il soit au meilleur de sa forme, comme il est à Stuttgart. C'est pour ça parfois, et qu'il le fasse marquer. Voilà. C'est pour ça parfois on a du mal à reconnaître certains joueurs. En club, ils sont très performants, mais en équipe nationale, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes gars aujourd'hui. Est-ce qu'il aura la même équipe, le même soutien qu'il a à Stuttgart? Est-ce qu'il y aura le même investissement? C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. En même temps, il fait monter les enchères, il fait monter le bank, le money in the bank, parce que beaucoup de clubs aujourd'hui veulent l'acheter à prix d'or. Oui, on le voit même comme le futur Benzema. C'est un très bon attaquant, placement, jeu de tête, passeur, bon dans tout. C'est un attaquant. Il est vraiment polyvalent. Il est vraiment un avançat qu'il faut avoir pied droit dans son fort, équipe. Il est quand même... Je vais m'intéresser à lui, c'est mon voisin. Avant, je ne le calculais pas. Non, mais c'est vrai que c'est le voisin. Allez.